Un certain nombre de patientes me contactent en me disant « Docteur, j'ai été opéré à l'étranger et je me retrouve avec une prothèse rompue. Qu'est-ce que je dois faire ?» La différence va être dans le fait que si c'est des prothèses en sérum physiologique, le remplacement des prothèses doit être assez rapide avant que la loge dans laquelle il y avait la prothèse, celle-ci se rétracte. Si maintenant il s'agit de prothèses en silicone, on va devoir changer les prothèses sur un délai de 1 à 3 mois et faire bien évidemment tous les examens complémentaires comme l'échographie, la mammographie, voire parfois l'IRM pour rechercher des lésions autour de la prothèse ou du moins dans les tissus avoisinant la prothèse.